Dans les années 2010, j'ai décidé de me tourner vers une industrie en pleine croissance, à savoir l'industrie automobile. Pour ce faire, nous avons racheté la société Bourbon, qui à l'époque représentait un chiffre d'affaires équivalent au nôtre, à savoir de 200 millions d'euros, de façon à pouvoir intégrer le rang 1 et le rang 2 dans l'automobile. Force est de constater que le challenge est réussi. Les chiffres que nous ressortons maintenant sont supérieurs à notre référence d'il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, notre développement, c'est la mondialisation. C'est pour ce faire que nous venons d'acheter deux usines aux États-Unis, qui nous amènent également à avoir maintenant deux usines au Mexique. La nouvelle étape va être de nous positionner sur le marché asiatique en trouvant avec un partenaire chinois un accord industriel qui va nous permettre de répondre à la globalité du marché mondial. Je pense que si nous ne savons pas répondre sur les trois continents, nous allons jouer dans la cour des plus petits et nous allons passer à côté de marchés globaux qui sont, à ma connaissance, les produits les plus porteurs pour l'avenir. On ne fait pas de diversification géographique juste pour le plaisir d'avoir des usines dans tous les coins du globe. On en fait parce que dans ces pays-là, il y a une valeur ajoutée à porter. Ces implantations ouvrent de nouvelles ambitions derrière. On commence à acquérir un savoir-faire local, un rayonnement local, une présence locale. Et ça, ça amène également d'autres types de marchés. Et on le voit dans certaines usines en Tunisie ou en Roumanie ou en Pologne, où on sait faire à la fois de l'automobile et du hors automobile. Aujourd'hui, c'est facile de vendre le groupe Plastivaloir. Tous les ans, le groupe acquiert ou construit une nouvelle entité. Le groupe met aussi l'accent sur tout ce qui est innovation. Nos clients n'ont plus le temps et les compétences d'aller s'occuper du développement, de la conception. Nos innovations leur apportent une faisabilité industrielle qu'ils ne peuvent pas toujours trouver partout. On ne parle plus trop de sous-traitance, mais de co-traitance. C'est pour ça que nous avons créé sur Langers un centre de R&D et un centre d'innovation. C'est la vitrine du groupe. Ça montre vraiment la volonté de Plastivaloir de mettre à disposition des installations flambant neuves, performantes, pour valider tous nos nouveaux process et les transférer ensuite sur les sites de production. C'est un des avantages de Plastivaloir qui ne lésine pas sur le niveau d'investissement pour atteindre la bonne qualité. Les bons ouvriers, ils ont les bons outils. Et c'est bien la logique de Plastivaloir. Die Anforderungen an die Bauteile und an die Werkzeuge werden immer höher, ebenso wie an die Maschinen. Das ist ganz normal, das ist der ganz normale Trend. Sind sie ein Auto vor 10 Jahren und sind sie ein Auto jetzt? Also die Evolution, die geht immer weiter. Nein, es hat sich nicht viel verändert. Die Qualität ist gleich geblieben. Wir sind ein deutsches Unternehmen mit einer sehr guten Qualität und arbeiten gerne für ein französisches Unternehmen weiter. Par philosophie maintenant, nous sommes placés sur des pièces injectées de plus en plus sophistiquées. À ce titre, presque la moitié du CA du groupe Plastivaloir est exclusivement faite avec de la déco. Certes, à partir de pièces plastiques, mais décorées. Mais les pièces sophistiquées nécessitent de plus en plus de robotisation, et ceci pour de multiples raisons. L'obtention de grandes précisions sur des pièces de taille importante, la réalisation en automatique d'une multitude de contrôles qui permettent de garantir à la fois le zéro défaut, mais aussi que chaque pièce soit identique à la précédente, et enfin la réalisation de cadences très élevées, difficilement appréhendables par l'être humain. Ce qui nous ouvre des marchés sur des pièces et des sous-fonctions complexes, et c'est vraiment l'axe de développement du groupe à l'avenir. La valeur de la société, c'est ses marchés, c'est les perspectives qu'elle a, mais c'est aussi ses actifs. Le groupe Plastivaloir achète ses usines, ses presses, ses machines. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on regarde les comptes, il y a un actif qui est très important, qui fait qu'on est autonome, avec des ratios qui sont sains. Donc je pense que les gens sont très rassurés sur la pérennité de la société. Et
It feels like a real family operation, and even though it's a big group now, it really does have a strong family feeling to the way that it's managed and the way it's developed. And people like to see a connection with the leadership in the business. On va pouvoir réussir à le garder, cet équilibre, parce qu'en fait, le schéma est toujours le même. Il y a une organisation qui est mise en place, elle est prête pour les années à venir sans aucun problème. On peut encore doubler le groupe sans aucun souci et sans perdre en réactivité. Nos objectifs sont clairs. 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et 1 milliard de chiffre d'affaires en 2025 en gardant les mêmes ratios de rentabilité.